What's up, bande de geeks? Bienvenue dans Ryu Gaming, l'émission. C'est l'épisode numéro 4. Mais petite particularité, cet épisode sera découpé en 7 parties parce que nous allons traiter de toute l'actualité que nous avons découvert lors de la grande messe du jeu vidéo qui est l'E3. Et nous allons aujourd'hui commencer par Bethesda. Ensuite, nous aurons du Microsoft dans le prochain numéro. Du Electronic Arts, du Ubisoft, du Sony, du Nintendo et pour terminer par Square Enix. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer à Bethesda qui ont fait, je dois dire, une assez bonne conférence avec des annonces assez intéressantes, assez fracassantes. J'ai préparé tout mon super dossier pour vous expliquer tout ça. Vous allez avoir toutes les vidéos de tous les jeux qui ont été présentés, qui ont été découverts. Vous allez tout savoir. Si vous voulez retrouver toutes les infos de l'E3, ça se passe dans les 7 parties de cette émission de Ryu Gaming. On attaque donc avec Bethesda. Et eux, ben, je dois dire qu'ils ont fait une assez bonne conférence. Ils ont directement attaqué avec un super jeu. C'est le jeu Doom. Doom tout court, pas de Doom 4, ni de Doom à suite. Un jeu simplement appelé Doom. Donc, est-ce que c'est un reboot? On n'en sait pas plus à ce niveau-là. Alors, mes impressions sur la vidéo qui a été présentée. Déjà, graphiquement, le jeu est juste magnifique. Je le trouve vraiment super beau. C'est vraiment hyper bourrin. Il y a de l'action dans tous les côtés. Il n'y a pas de temps mort. Le bestiaire rencontré, tous les démons que l'on rencontre sont vraiment très différents et le character design est vraiment très bien choisi. Chose qu'ils ont rajouté, c'est que on peut maintenant faire des genres de finishing au corps à corps sur les adversaires. Donc vous les affaiblissez à distance avec vos guns, tout ça. Et une fois que votre adversaire est affaibli, vous pouvez lui faire un finish move stylisé qui varie en fonction de l'adversaire. Et ça, on en voit pas mal dans la vidéo. Donc vraiment une très bonne surprise. Deuxième chose qui a été présentée, c'est que on peut créer ses propres maps pour le multijoueur avec l'application Doom Snap Map qu'ils ont présenté. Donc ben écoutez, ben c'est un petit peu à la mode pour le moment dans les FPS. On crée ses propres niveaux. Et ensuite, on joue avec ses amis sur le multi. On peut les poster, on peut les partager, etc. Donc, c'est l'application Doom Snap Map qui sera inclue avec le jeu, normalement, à la sortie du jeu. Alors, pour les plateformes, le jeu, ben, il est prévu sur One, PS4 et PC. Donc, il n'y a pas d'exclu sur ce jeu. La sortie, elle est prévue, malheureusement, pour fin 2016. Donc, on a vraiment encore le temps avant de pouvoir le tâter. Au moins un an d'attente. Donc, il va falloir être patient, comme d'habitude, avec les annonces que l'on nous propose à l'E3. Mais avant de passer au point suivant, on regarde cette petite vidéo de notre petit Doom. Thank you.
On passe au jeu suivant, qui est Battle Cry. C'est un jeu qui sera uniquement sur PC, qui sortira en fin de cette année. Donc, on a vu un trailer du jeu, qui a l'air d'être un jeu d'affrontement par équipe, assez classique en deathmatch, ce genre de choses. Alors, on peut s'inscrire sur le site officiel avant le 18 juin pour participer à la phase de bêta test. Donc, si cette vidéo vous intéresse et que vous jouez sur PC, retenez qu'avant le 18 juin, on peut s'inscrire sur la bêta test et pour pouvoir tâter du jeu qui sortira cette fin d'année, une petite vidéo de présentation. Alors, une grosse licence de chez Bethesda, c'est évidemment Dishonored. Et tout le monde attendait évidemment sa suite, Dishonored 2. Eh bien, ils l'ont enfin montré. On a vu une cinématique mettant en scène non pas Corvo, le héros du Dishonored premier du nom, mais Emily Caldwin. C'est la fille de l'impératrice du premier épisode, qui sera donc un personnage jouable supplémentaire avec Corvo. Et alors, elle a ses propres capacités et pouvoirs spécifiques. Donc, ça permettra une variation dans le gameplay. Donc, le jeu est prévu sur One, PS4 et PC. Il faudra attendre un petit peu aussi parce qu'il est prévu pour le printemps 2016. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. An empire at your feet, and you've lost it all. Be honest, did you really deserve any of it? More important, what would you do to get it back? Careful, there's always a price to pay. What you decide will ripple across the years. Blood in the gutters and corruption on the wind. It'll be fun watching this unfold. What will you do with the power I've given you? How will you make your mark on this wretched world? Accident. Everything is in motion. All of it has led you to this exact second in time. Oh.
think before you strike. If you kill me, you become the assassin we claimed you were. You become one of us! The years are long, but it's always good to see a familiar face. Pour nous faire patienter, ils ont eu la bonne idée, comme c'est la mode maintenant, de nous faire un Dishonored Definitive Edition qui sortira sur One et PS4. Donc le jeu un petit peu plus beau, 60 FPS, 1080p, vous connaissez la musique, avec tous les DLC inclus. Vous aurez votre portage HD de votre Dishonored pour pouvoir patienter avant la sortie du deuxième épisode. Ensuite, ils ont parlé de Elder Scrolls Legends sur PC et tablette qui sortira fin de cette année. Et bien, c'est tout simplement un jeu de cartes à collectionner façon Magic, etc. Un petit peu comme du même genre qu'on a découvert dans Skyrim récemment, le jeu de cartes de Skyrim. Et bien, ce sera la même chose, mais sous licence Elder Scrolls. On a un petit trailer pour présenter tout ça. Present, future. The Elder Scrolls hold all of Tamriel's history. That which has transpired, and that which is yet to be. They speak of heroes and their quests, of challenges yet to be faced. Prophecies yet to be fulfilled. But they do not tell us your role. For your destiny is your own to craft. Will you fade into memory? Or will you carve your name into myth and join those who have become Legends. Le grand morceau de la conférence de Bethesda, c'est évidemment le jeu que tout le monde attendait, c'est Fallout 4. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. And this is where you create your character. By simply selecting part of the face and sculpting. Such a cute nose. What do you think, huh? Beard or no beard? We're going to speed up time here and show you just how easy and powerful this is to create all new characters by just sculpting and making changes wherever you want in the face. No series of sliders. Hey, my turn, big guy. And of course, you can play as a female. Whoever you leave the menu as is who you'll play. And this is an entirely dynamic system. It's the same system we use to create all of the game's NPCs. We even generate a baby based on the couple you make. Ah, good morning, sir. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Brewed to perfection. Thanks, Kazuo. Nuka-Cola, ice cold. Sugar bombs, 100% daily value of sugar. Good morning, Vault-Tec calling.
Vault-Tec? Remind me again? Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? Mr. Howard, Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. You heard Codsworth say my name. That isn't for the demo. We actually have recorded around 1,000 of the most popular names for him to say. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Sir? Mom? You should come and see this! Confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. We need to get to the vault! Now! I've got Sean. Let's go! Almost there. I love you. Both of you. We love you too. Hold on! Now, we're not going to be spoiling or talking about the game's story tonight, but you do survive and get lowered into the vault. Events transpire, but you then emerge 200 years later as the sole survivor of Vault 111. This is an enormous dynamic world where you can create any kind of character you want, go where you want, and do whatever you want. Player freedom remains our absolute number one goal. This is running on a next generation version of our creation engine, features full physical based rendering, as well as dynamic volumetric lighting. You're still here. So, other people can still be alive, too. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. No. No, that's not possible. I wasn't out for that long. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. What? Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Then I'll be right back. Even our dialogue is dynamic. It is not a mode you're locked into. You can play it in first person. You can play it in third person. You can walk away whenever you want. You can shoot him in the face if you want. Yourself. You want to come with me, pal? Okay, then. Let's stick together. Hey, head over there.
And yes, you can give the dog commands by simply pointing at things in the environment and activating them. It's all contextual. Grab that. Ready to get back out there? It is from here that you'll explore the most ambitious and detailed game world that we have ever made, culminating in the massive ruins of downtown Boston. Alors, dans cette première vidéo, on a découvert la phase de création du perso. Et alors, on a découvert que ça se passera dans l'apocalypse. Alors, une fois qu'on a créé son personnage, enfin son miroir, comme vous avez pu voir, eh bien, on se retrouve en cavale pour l'abri 111, d'où on partira avec 200 ans plus tard. Donc il y aura sûrement des explications dans le scénario, mais on sait que ça se passe 200 ans plus tard, après l'arrivée du héros. On comprendra, je suppose, pourquoi après. Dans la seconde vidéo que vous allez découvrir, on va plus voir les environnements, qui cette fois, ben, on peut voir que ça s'étend à perte de vue grâce aux puissances des machines qui sont dans la disponibilité des développeurs. Alors, la qualité graphique du titre, elle a été rehaussée par rapport au premier trailer qu'on a pu voir la semaine passée avec la vidéo du chien, là, si tout le monde l'a vu. Cette fois-ci, le jeu, moi, je le trouve très, très acceptable, très, très propre. Je vois pas de points négatifs concernant les graphismes du jeu. Et alors, vous allez voir que nous allons découvrir beaucoup de paysages désertiques de Boston. This is an enormous dynamic world where you can create any kind of character you want, go where you want, and do whatever you want. Player freedom remains our absolute number one goal. This is running on a next generation version of our creation engine, features full physical based rendering as well as dynamic volumetric lighting.
Mr. Howard? Is that really you? Codsworth? You're still here. So, other people could still be alive too. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. No. No, that's not possible. I wasn't out for that long. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. What? Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Then I'll be right back. Even our dialogue is dynamic. It is not a mode you're locked into. You can play it in first person. You can play it in third person. You can walk away whenever you want. You can shoot him in the face if you want. Yourself. You want to come with me, pal? Okay, then. Let's stick together. Hey, head over there. And yes, you can give the dog commands by simply pointing at things in the environment and activating them. It's all contextual. Grab that. Ready to get back out there? Dans la troisième vidéo concernant Fallout, et oui, ils ont dégainé parce qu'il faut présenter la pelouse d'or. Eh bien, Todd Howard, le producteur du jeu, il s'est lancé dans une présentation de 2 aspects bien spécifiques du jeu. Un montage mettant en scène des dizaines de gunfights permettant de découvrir l'approche un peu plus nerveuse de ce Fallout. C'est vrai que par rapport au Fallout 3 ou New Vegas, il a l'air d'être beaucoup plus type action que l'autre. L'autre était. Il y avait de l'action aussi également. Mais ici, c'est vraiment, vous allez avoir des phases vraiment de gunfight, quoi, avec plusieurs adversaires à vous débarrasser, et ça va être fréquent dans le jeu. Autre nouveauté que vous allez découvrir aussi dans cette vidéo, c'est qu'il y a notre animal, le chien, qui sera votre compagnon tout au long du jeu et qui sera... je vais pas dire jouable, mais vous pourrez l'utiliser pour effectuer certaines actions, comme chercher des objets, fouiller, ce genre de trucs. Vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. Ready to fuck some shit up? Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but tall. Regular type size and bomb. Just the way I want.
crosses, there's no hitch. Zero power, she turns on the switch. Atom bomb, baby, atom bomb, atom bomb. She's just the way I want it to be. A million atom bombs, TNT. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way. Good to be back. La dernière partie de présentation du jeu, eh bien, c'est une nouveauté dans Fallout, c'est le crafting. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez pouvoir récupérer des composants comme d'habitude dans le jeu. Mais ici, il y aura deux aspects bien distincts. C'est que vous allez pouvoir faire du crafting pour augmenter votre équipement et vos armes avec les ateliers disponibles dans le jeu. Mais, toute grosse nouveauté, vous allez pouvoir créer votre domicile, votre hub, vous allez créer votre petite forteresse à vous, qui sera fréquemment attaquée par les strikers du coin. Il faudra vous défendre, améliorer votre domicile, faire en sorte que vous puissiez vivre un petit peu en paix chez vous dans ce monde qui est très difficile, qui est Fallout 4. And here's how it works in the game. We're allowing your character, while playing, to rebuild. And it works like this. You can scrap items in the world for materials and then use those materials to build the way you want. And one of the great things about having a fully dynamic game engine is all of this just works in real time. Rip it apart and build the way you want. Like the rest of the game, this is about making it your own experience. We want you to build and decorate and make yourself really a place you want to live in. A new home for yourself and your best friend, of course. As your settlement grows, people will arrive, including certain traders. They have some of the best items in the game. For these people, you will need to, you can plant food, water, and even power generators. All right, so the generators will power things through switches that require power, lights and other items. And then you run wires that connect them all, and again, it just works. You can also build your own terminals that hook to this power grid, and then you can control the various things and tweak them that the power lines are connected to. This includes things like turrets, because you do want to build defenses because your settlements can and will get attacked by raiders. So it's fun to build up something yourself in the game that usually you'll find that we have built for you. And there are many large sites in the game world where we allow you to build. And you can even run Brahmin caravans between your settlements. Keep in mind, like most things we do, this is an optional part of the game that you can do if you want to. It's just one part of a huge game, but it's really, really great for Fallout. We just absolutely love this feature. We do have over 50 base weapons and over 700 modifications for those weapons. So you could take a basic, you know, a laser pistol from Fallout, just one of the base weapons, and then modify that and turn it into something completely new. Thank you.
you can even modify your own power armor. Il y a autre chose qui a été présentée avec ce Fallout, c'est le collector du jeu. Alors si vous connaissez le jeu, vous savez qu'on utilise le Pip-Boy. Le Pip-Boy, c'est l'espèce de support que l'on met sur son bras, avec un écran dans lequel vous avez toutes les caractéristiques du personnage, etc. Toutes les informations que vous récoltez dans le jeu. Enfin, c'est votre petit menu que l'on retrouve dans chaque jeu de rôle, symbolisé dans ce petit appareil qui se trouve sous votre bras. Eh bien, Bethesda a eu la bonne idée de nous mettre dans le collector ce fameux support. Alors, comment ça va fonctionner? Vous mettez le support sur votre bras, vous ouvrez, et à l'intérieur, vous pouvez y glisser votre smartphone, genre iPhone, genre Galaxy. Et ils ont promis qu'il y aurait des réglages à l'intérieur qui permettra d'adapter l'écran de votre smartphone en fonction de l'objet. Donc, c'est très bien. Donc, moi, je pensais que ça allait être limité à, par exemple, à une seule marque, à l'iPhone, par exemple. Mais en fait, non. Tous les smartphones, sûrement de dernière génération, pour venir avec un smartphone de 4 ans, seront compatibles avec l'appareil. Ça, c'est très bien. Le collector est déjà réservable. D'après ce que j'ai vu, il est à 110€. Donc ça va encore, ce n'est pas encore exagéré pour l'appareil qui est proposé. Ensuite, ils ont terminé la conférence avec une petite note de petit plaisir qu'ils se sont fait eux-mêmes. C'est le Fallout Shelter pour mobile et tablette qui rejoint justement le collector que je vous ai expliqué. Avec ce Fallout Shelter, bien, vous aurez le menu de Fallout sur votre smartphone. Ensuite, vous le mettez dans votre appareil et là, vous êtes vraiment super équipé pour jouer à votre Fallout sur votre One ou sur votre PS4. L'application est directement disponible et vous pouvez la télécharger via l'App Store. Une version sera disponible plus tard pour Android. Donc, pour le moment, c'est uniquement valable pour iPhone. When the bombs fall, most shelters will provide minimal protection against the horrors of nuclear war. Thankfully, Vault-Tec has manufactured the top-of-the-line underground shelter to protect our friends and neighbors. Congratulations, friend! You have been selected as a Vault-Tec overseer. You will have total authority to create the perfect underground community. Select from a variety of modern-day amenities to turn an excavation beneath 2,000 feet of bedrock into the very picture of vault life. Choose the ideal dwellers. Send them above ground. Protect them from threats. And of course, help facilitate the repopulation of this great nation of ours. That's how we build a brighter future together. Underground. Start building today. Donc voilà, ce qui conclut cette première partie. Honnêtement, Bethesda, c'est la première fois qu'ils font une conférence à l'E3. Ils ont très bien fait ça. Le rythme était vraiment très soutenu. Il n'y avait pas de blabla, pas de chiffres, pas de graphiques de vente, etc. Ils ont dégainé les annonces. Ils ont parlé de quasiment toutes leurs licences. On a eu du Doom, on a eu du Dishonored, on a eu du Fallout. Leurs grosses licences, ils en ont parlé, ils ont proposé des choses, ils ont un planning qui est aussi bien valable pour cette fin d'année, avec Fallout 4 qui sort le 10 novembre 2015, donc c'est vraiment pas très loin. Et l'année prochaine, on sait qu'il y aura des jeux prévus aussi pour eux. Ils se sont concentrés sur leurs licences, sûrement pour nous sortir 3-4 jeux de qualité. Ça sert à rien de sortir 45 jeux et de sortir des jeux à moitié finis. Donc Bethesda, franchement, une très grande réussite pour cette E3. Ce qui conclura notre première partie de cette émission de Rio Gaming numéro 4. Je vous retrouve dans le prochain épisode qui sera la partie 2 qui sera concernée pour toutes les annonces de Microsoft. Allez, à très bientôt. Ou même à tout de suite si vous zappez sur l'autre vidéo. Faites chauffer les consoles.
À plus.